Amen. Amen. Le temps d'être dans la présence de Dieu. Amen. Il nous dit qu'un jour, nous serons éternellement avec lui. Amen. Amen. Et Jésus a dit quelque chose de particulier. Il a parlé à la Samaritaine. Il lui a dit, voici l'heure. Et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Il y a un temps, nous adorons Dieu en esprit. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption dans nos vies par lequel nous pouvons dire Abba Père. Nous pouvons appeler Dieu Papa. Et Dieu est devenu notre Père à cause de son esprit qui vient d'habiter en nous. Amen. Amen. Mais nous pouvons aussi l'adorer en vérité quand nos cœurs sont lourds, quand nos cœurs des fois sont chargés, quand nous sommes découragés, quand nous sommes désemparés. Nous venons à Dieu avec un langage de vérité. Et nous venons commencer à lui ouvrir notre cœur. Amen. Amen. Il est bon de pouvoir, devant notre Dieu, des fois, ouvrir notre cœur. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, à chaque jour, pouvoir ouvrir votre cœur et que votre cœur soit transformé jour après jour. Amen. Amen. Jésus a dit quelque chose de particulier. Il a dit, là où est ton cœur, là se trouve ton réel trésor. Amen. Amen. Est-ce que tu vas avoir un bon trésor sur la terre et dans le ciel? Amen. Alors regarde où se trouve ton cœur. Peut-être ton cœur se trouve dans l'angoisse, dans les difficultés, dans les problèmes. Ce trésor n'est pas un bon trésor. Alors c'est pour cela qu'il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Pour que là où il y avait peut-être l'angoisse, les soucis, les tracas, les problèmes, tu puisses déposer cela à Dieu et que ton cœur puisse se trouver dans le repos de Dieu. Amen. Amen. Dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes découragés, qui en avez marre de voir cette vie comme elle est aujourd'hui. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, il a donné une promesse. Je vous donnerai du repos. Amen. 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 Nous avons vu ensemble le vendredi qu'il est important, il est nécessaire pour nos vies de pouvoir avoir du repos. Nous avons vu que même dans notre vie actuelle, le soir même, quand un homme a travaillé, quand une femme a travaillé toute la journée, alors qu'il cherche le repos, souvent le repos le fuit. Souvent, alors que des hommes, des femmes ont travaillé toute leur vie, ils arrivent à un temps de retraite et ils disent, dans ce temps de retraite, je vais trouver un temps de repos. Souvent quand je parle avec les retraités, je dis mais reposez-vous, mais ils sont autant stressés que les gens qui travaillent. Le repos ne se trouve pas dans la retraite, le repos ne se trouve même pas quand on va dormir, parce qu'il y a des gens qui dorment, ils se lèvent, ils disent j'ai pas trouvé de repos. J'ai dormi 8 heures, j'ai dormi 12 heures, le repos n'est pas là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le repos ne se trouve qu'en Jésus. Amen. Le repos, le réel repos, ne se trouve qu'en Jésus. Amen. Amen. La religion ne nous donne pas le repos, parce que la religion va nous amener à faire toutes sortes de choses, toutes sortes de pénitences, toutes sortes de rituels qui vont nous alourdir et qui vont nous accabler. Le soir, tu vas dormir, tu vas dire, oh mon Dieu, maintenant je ne suis même pas en repos, parce que je dois faire tellement de choses que maintenant je ne peux même pas trouver un repos. Amen. Amen. Mais quand nous sommes en Jésus, quand nous avons ouvert notre cœur, quand nous avons passé du temps dans sa présence, et nous lui avons dit, Seigneur, tout mon cœur, là je t'ai découragé, tu vois cette situation, elle m'a désespéré, tu vois ce problème qui est là, il m'accable, je te le donne à toi, parce que moi je ne peux pas le porter, tu ne m'as pas créé pour porter les problèmes, tu ne m'as pas créé pour essayer de comprendre le lendemain, tu ne m'as pas créé pour que je puisse m'inquiéter du lendemain, mais tu m'as créé pour que je suis un homme, une femme de repos. Et tu pries jusqu'à ce que tu sens que ce poids qui est là sur ton cœur commence à s'enlever, commence à se détacher. Et tout d'un coup, la présence de Dieu vient. Il y a un réel repos. Et là, tu dis merveilleux. C'est seulement ça que Dieu te demande. Amen. 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 Pourquoi? Parce que des fois, les tracas, les soucis, les problèmes nous empêchent d'adorer Dieu réellement. C'est pour cela que Jésus a dit, voici l'heure. Et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. À cause du Saint-Esprit qui est déversé dans nos vies, mais aussi en vérité. Parce qu'il sait que des fois, tu vas être là, tu vas vouloir m'adorer, tu vas vouloir me prier, mais tu n'y arrives pas. Parce que tes problèmes sont là. Chaque fois que tu commences à prier, à élever ta main vers Dieu, à élever ta voix vers Dieu, tes problèmes sont là devant toi. Tu as l'impression qu'il y a comme un film qui passe où il y a tous tes problèmes. Tu as l'impression qu'il y a comme une loupe. Et le diable, il vient, il t'agrandit ça. Il t'agrandit ça en grand écran. C'est lui le meilleur cinématographique où il va tout agrandir.
Et là, tu tournes à droite, tu le vois. Tu vas dormir, tu le vois. Tu le vois dans tes rêves, tu le vois dans tes pensées, tu le vois dans ton travail. Et tu vois même pas qu'il y a des hommes, des femmes qui souffrent à côté de toi. Des hommes, des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais tu vois tes problèmes grands comme une montagne. Le psalmiste David, alors qu'il était pourchassé par Saül, alors qu'il a vu cette grande montagne, il a dit, oh, si cette montagne est là devant moi, je suis perdu. Alors il a dit, je lève les yeux vers la montagne, au-delà de la montagne, au-dessus de la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. 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 Souvent nous gardons trop nos problèmes. Regarde au-dessus de tes problèmes. Au-dessus de tes problèmes, il y a Dieu. Et si tu as des problèmes, ça veut dire qu'il y a toujours une solution. Sinon, ça ne s'appellerait plus problème. Amen. Amen. Chaque problème est une solution. Chaque problème. Vous savez, Dieu résout tous les problèmes. Et pendant ce temps, nous allons prendre part à la Sainte Seine. Où nous allons prendre part au corps et au sang du Seigneur, au repas du Seigneur. J'aimerais vous encourager. Peut-être si vous êtes venu découragé, désespéré, désemparé, que vos problèmes ont l'impression d'être une montagne. Pendant ce temps, tu vas faire une alliance avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais apprendre cette semaine quelque chose de nouveau. Cette semaine, je vais apprendre à décharger mes fardeaux, décharger mes sacs, décharger tout ce que j'avais sur mon dos, sur mes épaules, sur mon cœur, pour que j'apprenne à rentrer dans ton repos. Amen. 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 Vous savez, le Seigneur a déjà interpellé depuis le début de la création. La Bible nous dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et tout ce qui s'y trouve, ainsi que l'être humain, la Bible nous dit pas que le 7e jour, Dieu s'est endormi et Dieu a dormi. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu s'est reposé. Et comment il s'est reposé? Il a regardé tout ce qu'il a créé. Et il a trouvé que cela était bon. Amen. Amen. Ce que la Bible nous dit. Dieu a regardé tout ce qu'il a créé et il a trouvé que cela est bon. Il y a beaucoup de choses que tu as fait de bien dans ta vie, tu n'as jamais regardé. L'homme est en train de faire plein de choses, mais il ne regarde jamais ce qu'il fait. Il ne regarde jamais son travail. Aussitôt son travail est fini, qu'il commence déjà autre chose. Combien d'hommes, de temps ont construit des maisons, des belles maisons, mais ils sont tellement accaparés par une sorte de choses qu'ils ne sont jamais assis, regarder leur maison et dire « j'ai fait du bon travail ». Et la Bible nous montre que Dieu avait déjà instauré ce qu'on appelait le Shabbat au peuple juif, pas simplement pour qu'ils soient assis et qu'ils ne font rien, qu'ils se lamentent. Mais Dieu voulait leur apprendre que dans ce Shabbat, ils devaient apprendre à regarder tout ce qu'ils ont fait, à regarder tout le travail qu'ils ont fait pendant les six jours et à apprécier tout ce qu'ils ont fait. Mais le peuple d'Israël n'a pas compris ça. Et aujourd'hui, alors que nous sommes sous la nouvelle alliance en Christ, oui, bien sûr, le Shabbat, nous ne le pratiquons plus comme le peuple juif le pratiquait. Mais nous avons un devoir de regarder ce que nous avons fait. Le psalmiste David a dit à un moment, quand je regarde tout ce que le Seigneur a fait, je ne manque pas de mots pour l'adorer. Amen. Amen. Des fois, nous avons eu nos exaucements de prière. Des fois, je suis étonné de voir des croyants qui reçoivent des exaucements de prière. Et que c'est les mêmes croyants, les mêmes croyantes, qui quelques semaines après se lamentent. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des nouvelles difficultés, il y a peut-être des nouveaux obstacles dans leur vie. Mais si Dieu t'a donné un exaucement de prière, souviens-toi de ce qu'il a fait. Et tu ne manqueras pas de mots pour l'adorer, quand bien les nouvelles difficultés, quand bien les nouveaux problèmes, quand bien les nouvelles situations. Ta foi a été fortifiée pour que tu puisses surmonter les nouvelles situations qui arrivent devant toi. Amen. Ta foi a été fortifiée, ta foi a été encouragée pour que quand une nouvelle situation vient, alors maintenant, tu peux aller au combat et être plus que vainqueur. Amen. Amen. Vous savez, le roi David, avant qu'il devienne roi, d'abord il a combattu l'ours, il a combattu le lion. Mais ensuite, quand il était en public la première fois, il a dû combattre le grand Goliath. Quand il a abattu le grand Goliath, c'est là que ça a été le début de ses problèmes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand il est rentré dans le camp, il y avait la victoire, les femmes ont commencé à crier. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Celui qui était censé être son allié, son roi, commençait à se retourner contre lui. Si David n'aurait pas compris que Dieu lui a donné déjà la victoire sur Goliath, lui a donné la victoire sur le lion, sur l'ours, David savait
que maintenant mes problèmes vont être un peu plus grands. Mais ma foi a été fortifiée. Et dans ma... parce que ma foi a été fortifiée, je sais que je triompherai encore de ces situations. Amen. 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 Regardez Jésus. Jésus, d'abord, il a été tenté par le diable au désert. Là, sa vie, elle ne risquait pas. Ensuite, il commence à aller sur la terre. Il commence à avoir la confrontation des hommes. D'abord, on veut le jeter d'une montagne. On veut essayer de l'arrêter à tout prix. Mais à un moment donné, quand il a dû aller à Golgotha, quand il a dû se faire crucifier, la Bible nous dit, l'angoisse était terrible. Il a commencé à prier. L'angoisse était tellement forte que les grumeaux, la sueur de son front s'est changée en grumeaux de sang. Et ça commence à tomber comme ça. Il avait compris que l'être humain devait déposer cela. Et il disait, Seigneur, si tu veux, enlève-moi cette coupe de moi, parce que c'est terrible. C'est terrible ce que les êtres humains sont en train de vivre. C'est terrible les épreuves quand les êtres humains ils sont confrontés. Enlève cela de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. Amen. Amen. Il avait compris. Il savait. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous. Il a connu les mêmes faiblesses que nous. Mais il a triomphé et il n'a jamais péché. Amen. 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 Ce que tu penses, ce que tu ressens, il l'a vécu. Des fois, tes pensées qui viennent te tracasser, il l'a vécu. Il y a une couronne d'épines sur la tête. Je ne sais pas ce que ça représente. J'ai jamais eu ça. Mais je ne sais pas la douleur que ça doit représenter une couronne d'épines sur la tête. On continue et t'enfonce bien. Chaque épine qui te rentre tout autour de la tête, je crois que c'est même pire que nos mauvaises pensées. Amen. Quand tu as des pensées qui viennent te tracasser, dis, Seigneur, toi tu as eu mal à la tête avant moi. Et à cause des douleurs que tu as eues, quand tu t'en poses cette couronne d'épines, je déclare que maintenant mes pensées soient libres. Amen. Commence à prier comme ça. Commence à déclarer les choses comme ça. Et tu vas voir combien ta vie va être transformée. Amen. Amen. Tu vas voir que jour après jour, chaque obstacle a une solution. Amen. Amen. Chaque problème, chaque difficulté a une solution. Même si la solution ne vient pas dans les 2 minutes, ou dans les 2 jours qui viennent, ou dans les 3 jours. Dis, Seigneur, tu as dit ta parole, mon Rédempteur est vivant, et celui qui se lèvera toujours le dernier. Amen. 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 Donc, si c'est lui qui se lève le dernier, ça veut dire qu'il y a des adversaires qui se lèvent avant. Qu'il y a des problèmes qui se lèvent avant. Qu'il y a des difficultés qui se lèvent avant. Mais il a dit dans la parole, celui qui se lève toujours le dernier. Alors si tu vois un problème qui se lève, tu dis, c'est pas un problème. C'est pas toi qui attends. Est-ce que c'est ici? Si une difficulté, tu vas lui dire, c'est pas toi qui j'attends. J'attends celui qui se lève le dernier, c'est mon Seigneur. Amen. Amen. Et quand tu vas commencer à voir cela, vous savez, chaque fois dans ma vie où j'ai vu des situations, des difficultés, au début, j'étais peut-être comme vous, j'avais du mal à voir ça. Mais chaque fois que j'ai vu combien les problèmes s'accumulaient, j'ai vu que le Seigneur s'est toujours levé le dernier et qu'il est toujours intervenu. Amen. Amen. Des fois, c'était à 2 doigts que toutes les situations étaient finies. J'ai dit, ça y est, maintenant, il n'y a plus d'espoir, c'est là que Dieu s'est levé. Amen. 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 Donc, c'est pour cela que je vous donne ce matin, une parole d'encouragement. Pour que quand vous voyez une difficulté, vous ne vous alarmez pas. Parce que souvent, les gens me posent des questions. Mais maintenant, je suis chrétien, j'ai des problèmes. Avant, je n'étais pas chrétien, je n'avais pas de problème. Ça, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas chrétien que tu n'avais pas de problème. Seulement, tu ne les voyais pas, tu étais avec. Aujourd'hui, tu es devenu croyant. Tu es devenu enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les écailles des yeux sont tombées. Et toutes les situations, tu les vois telles quelles. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Amen. Amen. Avant, nous avions un père qui montait. Donc lui, il nous aveugle. Même on voit des problèmes, on ne voit pas. On fonce tête baissée. Mais quand on est chrétien, c'est normal qu'on voit. Parce que les écailles qui étaient sur nos yeux sont tombées. Donc les situations, c'est normal, tu les comprends maintenant. Tu vois que c'est difficile. Mais sache que non seulement tu vois, mais Dieu est venu pour te donner une victoire et pour te montrer comment il va agir dans ta difficulté. Amen. 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 Je l'avais déjà plusieurs fois raconté quand en 2012, j'étais tombé malade. Alors que nous étions avec des frères, nous sommes allés manger au restaurant, tout d'un coup, alors que j'étais en train de manger, ma main est devenue toute lassée, ma tête a commencé à tourner, mon ventre a commencé à tourner,
Alors j'ai essayé d'être calme, de ne pas montrer ce qui se passait. Mon épouse a vu que j'ai changé de couleur, je suis devenu jaune, blanc. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus, je suis sorti dehors, j'ai tout vomi. Et après, j'avais une douleur terrible au niveau de mon estomac. Je n'arrivais plus à manger. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement courir, ni à l'hôpital, ni à rien du tout. Alors je suis resté comme ça, je dis maintenant, je crois, c'est Dieu qui va me guérir. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je commence à déclarer la foi. Je continue à déclarer. Et le dimanche, ça allait un peu mieux, mais les jours qui ont suivi, c'était pire. Car moi, j'arrivais même plus à manger. J'avais terriblement mal. Et le mercredi matin, alors que je suis dans mon lit, que j'avais mal, à 4 heures, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, maintenant, c'est le temps, réveille ton épouse, tu dois aller à l'hôpital. Si je dois aller à l'hôpital, c'est un message de la part de Dieu. Je vais aller à l'hôpital, là, j'ai réveillé mon épouse. Je dis, écoute, voilà, maintenant, je dois aller à l'hôpital. Alors mon épouse m'a amené à l'hôpital, m'a amené là, à Strasbourg. Et quand elle m'a amené à l'hôpital, j'ai tellement de douleurs quand je suis arrivé qu'ils ont dû me mettre un truc de morphine. Et ils ont commencé à faire tous les examens. Alors d'abord, ils m'ont dit, voilà, c'est l'appendicite. Quand ils ont fait les examens, ils m'ont dit, non, c'est pas l'appendicite, c'est la bile. Quand ils ont fait les examens, ils m'ont dit, ce n'est pas la bile, c'est l'hépatite. Quand ils m'ont fait un autre examen, ils m'ont dit, c'est pas l'hépatite, c'est le cancer. Et voilà, il me donnait des diagnostics sur diagnostics sur diagnostics. Moi, chaque fois que le docteur me donnait un diagnostic, je regardais le docteur. Mon épouse était là et puis on était moi. Je regardais, je souriais. J'avais mal. Je dis, moi, j'ai un Dieu qui guérit. J'ai dit ça au docteur. Je dis, moi, j'ai un Dieu qui guérit. Je dis, moi, ces paroles-là, ce n'est pas les paroles que je suis venu entendre au hôpital. Et il continuait. Ensuite, ils m'ont passé tous les examens. Et j'ai dit ça à mon épouse, j'ai dit si Dieu m'a amené à l'hôpital, c'est parce que Dieu veut me parler. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire, mais s'il veut m'amener à l'hôpital, c'est qu'il veut me parler. Je ne vais pas mourir dans cet hôpital, c'est pas possible. Et alors que j'étais allongé sur le lit, j'ai rencontré un autre pasteur qui est aussi lui malade. On a prié ensemble, on a pu prier pour d'autres gens. J'ai pu voir une personne qui était en fin de vie, qui était couchée sur un lit, elle avait le cancer des poumons au stade final. Moi, j'étais couché aussi, je n'arrivais pas à bouger, mais j'ai pu prier avec elle, j'ai pu l'amener au salut, elle a fait la prière de repentance avec moi, et ensuite après, elle est partie. Et à un moment donné, ils m'ont fait le scanner. Donc, ils m'ont passé dans un genre de cercueil là, blanc, où ils me mettent le corps, où ils regardent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, si Dieu il m'a envoyé ici, c'est parce qu'il veut me parler. Et tout d'un coup, alors que j'étais dans le scanner, le Seigneur a parlé à mon épouse. Il a dit, tu vois, un jour, je t'avais dit de lui donner une parole, le dimanche d'avant, je t'ai dit de lui donner une parole, mais tu ne l'as pas donné. Il dit, maintenant, c'est le moment où tu dois lui donner la parole. Et je suis sorti du scanner, et mon épouse est venue chez moi, elle m'a dit, voilà, effectivement, il y avait une parole, et c'est moi qui dois te la porter. Et mon épouse m'a donné la parole que le Seigneur m'a dit. Et j'ai dit à mon épouse, je dis, voilà, maintenant, mon temps à l'hôpital, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Je lui dis, je ne sais pas combien de temps encore. Je dis, mais je sais que c'est bientôt fini. Et quand j'ai dit cette parole, j'avais encore mal. J'avais encore une douleur terrible. Et le soir, le docteur est venu. Suite au scanner, à tout ce qu'il a fait, il a dit, voilà, sur votre estomac, vous avez un épanchement. C'est-à-dire, vous avez de l'eau, une poche d'eau sur votre estomac. C'est ça qui vous fait remonter les aliments. C'est ça qui vous fait pas supporter. Et on doit vous faire une ponction. Ah, je dis, moi j'écoutais pas trop, je dis, moi j'ai confiance en Dieu. Et le soir, alors que j'étais dans ma chambre avec mon épouse, parce que mon épouse était restée à côté de moi, j'étais comme ça allongé, et à un moment donné, alors que je suis allongé, ma main devient électrique. On aurait dit de l'électricité. Et j'ai regardé, j'étais moi-même étonné. Hein. Et le Seigneur m'a dit, maintenant passe ta main partout sur ton corps là où t'as mal. Et j'ai commencé à passer ma main comme ça, et là où j'avais mal, je me suis arrêté. J'avais l'impression que ça faisait comme de l'électricité, comme des décharges qui... Quand j'ai enlevé ma main, je n'avais plus aucune douleur. Amen. Je dis, waouh, j'étais étonné. Hein. Après, le Seigneur me parle, il me dit, ton épouse aussi, des douleurs à tel et tel endroit dans son corps, pose seulement ta main. Alors je pose ma main, elle me regarde, elle me dit, ah, qu'est-ce qui se passe? On dirait comme de l'électricité qui vient. J'ai enlevé ma main, elle était guérie aussi. Le lendemain matin, je me suis levé, j'étais bien frais. Je n'avais plus aucune douleur, je suis allé me doucher. Et j'ai dit
À l'infirmière, elle dit, voilà, le docteur, quand est-ce qu'il va venir? Et je dis, maintenant, je suis guéri. Alors, elle était fâchée avec moi parce que je me suis touché et tout. Et je dis, je sais que je suis guéri. Et vu que le docteur tardait, il y avait un de ses adjoints qui est venu. Et je lui dis, bon, écoutez, si le docteur ne vient pas, moi, je suis même prêt à signer une décharge. Je sais que je suis guéri, j'ai plus de douleur. Je sais maintenant que c'est l'homme qui a guéri. Alors, un de ses adjoints m'a dit, non, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Si vous sortez, vous allez manger, les aliments vont remonter, ça va remonter dans votre poumon, vous allez mourir. Et moi, je ne crois pas ces paroles. Je dis, moi, je sais, je suis guéri. Je dis, je veux juste signer la décharge. Et voilà. J'ai signé une décharge. Alors, l'infirmière était fâchée avec moi. Elle a pris la perfusion, elle l'a tirée. Tellement qu'elle était fâchée avec moi. Et je suis parti. Et j'ai amené mon épouse au magasin. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, maintenant on va voir si c'est Dieu qui a raison ou si c'est le diable. Le diable a dit, si je mange, je vais étouffer, je vais mourir. Dieu, je sais qu'il m'a dit, je suis guéri. Alors je suis allé, j'ai acheté un gros paquet de M&M's, un gros paquet de chocolat. Et quand je suis sorti, j'ai pas pris un M&M's. Hein. J'ai pas mis ma foi à petite dose. Hein. J'ai mis ma main complètement dans le paquet d'M&M's, j'ai sorti toute ma main remplie d'M&M's, j'ai tout mis dans ma bouche. Mon épouse me regardait. Et j'ai mangé. J'ai bien avalé. Plus aucune douleur. Jusqu'à aujourd'hui, même les choses que je ne supportais pas avant, aujourd'hui je les supporte. Le soir, une jeune fille vient à l'église, elle avait le dos totalement détruit, enfin totalement comme paralysé, comme bloqué, les docteurs ne pouvaient plus rien faire pour cette jeune fille. Ils avaient tout essayé, la jeune fille hurlait tous les soirs. Et on l'a amenée à l'église pour la première fois. J'ai prié pour elle le soir même, le vendredi soir. Elle était totalement guérie, plus aucune douleur. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, avec Dieu, il a toujours la solution à tout problème. Amen. Amen. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. La foi, c'est seulement avoir confiance que Dieu lui-même a la solution, la dernière solution à tous les problèmes. Amen. Amen. Et vous allez voir que si vous commencez à comprendre quelque chose, Dieu, il va vous faire des petits tests, des fois de petites choses. Et plus que vous allez grandir, que vous allez réussir ces tests, alors vous allez voir que vous aurez la foi pour des grandes choses. Amen. Amen. Si tu es fidèle et juste dans les petites choses, moi je vais te donner les plus grandes. Amen. Alors pendant que nous allons passer ce temps de Sainte-Seine, j'aimerais vraiment vous encourager à dire, Seigneur, à partir de cette semaine, je vais vraiment commencer à avoir un langage de véritable foi. Je vais vraiment être vrai. Je vais t'adorer, bien sûr, en esprit, parce que tu m'as donné ton esprit. Et je peux t'appeler papa. Mais je veux aussi être vrai avec toi. Dans les moments où je suis découragé, dans les moments où je suis désespéré, et je veux ouvrir mon cœur. Amen. Amen. En un instant, inclinons nos têtes. Je demanderai à mon frère Franck de pouvoir venir, mon frère Didier aussi, de pouvoir venir prier pour le pain et pour le vin. Je peux venir. Seigneur, tu es bon, tu es au milieu de nous ce matin et nous voulons encore élever le nom qui est au-dessus de tout le monde, le nom de Jésus. Et nous voulons, Seigneur, vraiment bénir ce pain et ce vin, parce que, Seigneur, c'est ton corps que tu as donné pour notre rédemption. C'est ton sang que tu as donné, Seigneur, pour notre vie. Et tu as payé le grand prix, Seigneur. Ce soir, nous voulons regarder à la croix. Nous voulons contempler, Seigneur, ce don d'amour, Seigneur, que tu as donné pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tes mains percées, cette couronne d'épines, ton corps meurtri, Seigneur. Et nous voulons proclamer, Seigneur, que dans tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Amen. Dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, Seigneur. Que vraiment nous puissions prendre, Seigneur, ce pain et ce vin dans le discernement, Seigneur. Et que vraiment chaque jour, dans ce lieu, Seigneur, nous puissions encore plus être sensibles à ta parole, à ton esprit, à ta présence, Seigneur, et que tu sois glorifié, Seigneur, car nous croyons que tu reviens bientôt, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Je te donne cette assemblée, les frères et sœurs, le pasteur, sa femme, ses enfants, Seigneur, et que nous soyons tous un en Jésus-Christ ce matin. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce de faire partie des tiens, Seigneur, c'est vrai. Amen. Par ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur.
Vraiment, tu es patient, tu es bon, tu es plein d'amour, Seigneur. Donne le rebelle à une place dans ton cœur et c'est toi qui le transforme, Seigneur. Tu lui montres ton amour et ta puissance, Seigneur. Vraiment, je t'en rends vraiment toute la gloire, Seigneur. Et là où tu es, il y a la liberté, Seigneur. Ce monde est difficile, mais Seigneur, tu règnes. Personne ne peut te détrôner, Seigneur. Et vraiment, c'est vraiment énorme de faire partie des tiens, de n'avoir rien à craindre avec toi, Seigneur. Et toi, tu protèges puissamment, Seigneur. Tu as tout pouvoir. Tu peux souffler sur ce monde et le renverser, Seigneur. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. À toi, tu la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Je te prépare ce repas, que chacun puisse se sentir libre et tous ceux qui veulent prendre part au repas puissent se lever à leur place. Maintenant, que la paix du Seigneur soit renouvelée, que la paix soit renouvelée.
souffle.